Bonjour, bonsoir à tous les amis internautes à Radio Fréquence Mondiale. Et c'est avec un plaisir encore une fois pour Radio Fréquence Mondiale entrer la cage de faire vivre et comment et l'eau lui-même et a fait le couler en dans canal nous connaît canal Dignité c'est là qu'a fait un rivière massacre mesdames et messieurs pour maintenir là et n'a permettre à ce que faire nous vivre et bien comment l'eau lui-même lui a pas coulé dans canal là puisque nous-mêmes nous dit dans Radio Fréquence Mondiale, nous c'est DGO Arzoreo, nous là pour nous informer, nous là pour nous faire vivre de toute actualité qui a passé dans le monde en Haïti, tant qu'à l'étranger, mesdames et messieurs, nous avons suivi et qui a fait sous rivière massacre, nous permet à ce que nous faisons vivre, et bien comment l'eau elle-même elle a pas coulé dans le canal là pour matin là, mesdames et messieurs. Et de l'autre, j'ai été capable de remarquer, c'est avec les pompes 12 pouces là, et les mêmes que vous avez apprécié, et retirer de l'eau là, qui n'a pas ça. Ils sont obligés de faire la poule dans le canal là, parce que les paysans en bas pleine, au Maribao, ont une nécessité de l'eau, et ils sont obligés de laguer et de l'eau pour en attendant toujours, et ils sont capables de rouser. Les terreaux, mesdames et messieurs, sont capables de mouiller les terreaux, sont capables de faire ça qui veut dire les produits locaux, mesdames et messieurs. Alors c'est comme ça, de nous déjà, ouais, qui pris le canal là lui-même, l'Ural Poté, dans Ville Wanamet, bien précisément, dans pleine Romaribawa, mesdames et messieurs, le canal c'est là lui-même qui prend bouser plusieurs et bien, hectares de terre et bien, en bas, dans pleine Romaribawa, mesdames et messieurs. Nous avons fait un vu comment ça lui-même.